S'il vous plaît. Assez ma tante. Ici, dès qu'il connaît quelque chose dans notre cahier de condoléances, je vous invite de laisser une minute de silence en mémoire de notre petit disparu. Président Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. On vous a vu aussi venir rendre hommage au sphinx, le président Étienne Tshisekedi. Quel sens donner à votre acte ? Vous savez, d'abord, c'était un père, un grand frère. Je l'ai connu vers la fin de sa vie. Nous avions créé le rassemblement ensemble et nous avons très bien travaillé. Et Dieu a voulu le reprendre parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour notre pays. C'était le premier opposant. Donc nous devons suivre l'exemple du président Étienne Tshisekedi pour que le pays puisse aller de l'avant. Il a milité vraiment pour la paix, la démocratie et la prospérité de notre pays. Lors de son dernier meeting, Étienne Tshisekedi a parlé de votre retour à Kinshasa, telle une promesse aujourd'hui réalisée, mais il n'est pas là. Quel sentiment pour vous ? Il n'est pas là, c'est pourquoi je suis venu le voir. Là où il est, il sait très bien que son jeune frère est là. Je suis venu au mausolée pour prier pour lui et surtout que lui continue à intercéder pour notre pays, pour un Congo fort, uni et prospère. Dernière question, un message à la famille, non seulement à la famille dont le fils est aujourd'hui président, votre frère, mais à tous les enfants de l'UDPS et à tous ceux du combat avec cette perte. Quel est le message que vous pouvez adresser à tout ce monde ? Nous devons tout faire pour que nous puissions suivre le pas du président Tshisekedi. C'était le peuple d'abord. Aujourd'hui, la situation économique, elle s'est beaucoup dégradée. Je crois, là où il est, il va continuer à intercéder pour le Congo, pour que les gens puissent se mettre au travail, pour que le Congo puisse aller de l'avant. Baba, il doit être en haut, il doit accompagner.